différents sujets tels que le divorce, la place des enfants, le salut. Il arriva enfin à Jéricho, toujours accompagné d'une foule nombreuse, composée d'hommes et de femmes qu'il aimait, attendait des miracles et avait des besoins. Jésus sortait de Jéricho maintenant avec ses disciples et la foule qui le suivait. Ils arrivaient sur la rue du commerce. Bonjour madame, ça fait 2 jours que j'ai commandé mes billets sur Facebook et c'est pas arrivé. Mais il commence un peu partout. Je vais faire de mon mieux cette fois. De l'argent, ça va pas? Oui, excusez-moi madame. Et moi alors, mes billets? C'est ce que j'étais en train d'expliquer. C'est Jésus à la maison là-bas. Hein? Ah, Jésus! Attends, ben t'as dit Jésus? Ah, bon, on a dit que tu étais aveugle, maintenant t'es sourd. Oh, Jésus, fais un miracle, les enfants n'ont rien à manger. C'est l'heure de jeûner et prier, Esther. Cependant, Jésus ne put rien faire, car il ne trouva pas de foi. Car, or, la foi, c'est ce qui est nécessaire pour lui être agréable. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Que veux-tu que je te fasse? Yo, tu vois pas qu'il est aveugle, non? Rabouni, que je retrouve la vie. Va, ta foi t'a sauvé. Yo, le type qui est aveugle, là, il dit ta foi t'a sauvé. Vraiment, les histoires de Jésus. Je vois. Je vois. Je vois. Attends. Je vois. 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 Jésus-Christ guérit encore aujourd'hui. Il peut te guérir si tu as réellement foi en lui. Amen.
Veux-tu voir la main de Dieu agir dans ta vie? Cherche premièrement le Seigneur Jésus de tout ton cœur et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Non seulement Jésus guérit le corps, mais il veut aussi sauver ton âme. Le premier acte de foi que tu peux poser, c'est de revêtir le nom de Jésus par les eaux du baptême. La Bible ne dit-elle pas dans Actes chapitre 2, verset 38, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Comme Bartimée, tu peux toucher Jésus aujourd'hui en faisant ce pas de la foi. Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.